Et salut les athlètes, on est à Canéjan, dimanche matin, trail de Lobourde. On part pour 18 km, 18,5 km je crois. Il va faire chaud, il va faire beau. Ça va faire une belle sortie longue, un peu comme la semaine dernière avec un peu de vitesse. Côté tenue, bah, débardeur, short et on est en V-trail parce que les sentiers s'annoncent un peu glissants quand même, ce qui a quand même pas mal plu en début de semaine. Allez, on se retrouve pour le départ, comme d'habitude. Bon bah c'est parti, c'est parti. C'est parti vite. C'est parti vite. Allez, c'est parti pour 18 bains. Ah mince. Et passage au premier en 4-16, rapide mais c'était très roulant, ça descendait un peu. Ça mouille. Ah, jusqu'ici, c'est hyper roulant. Très très sympa. Météo parfaite. Il fait chaud, mais en sous-bois, ça va. Presque 3 km. Alors, à traverser le petit pont, juste après le premier ravito, petit coquin. Cette fois, j'ai pas oublié le jet. Allez, petit pont. Merci. Très sympa ce tracé jusqu'ici. Très très cool. On a Quentin juste devant, ancien coach à la CrossFit Aisine. On va essayer de le reprendre tranquille pour qu'il intègre notre groupe. Petit groupe de 3 toujours. On prend des relais. On est plutôt bien. Allez. On a rejoint Quentin qui nous a pris un rythme de malade. Ensuite, on va arriver au ravito. Deuxième ravito. On a combien de kills là ? 8. 9. Ah, allez, Quentin. Allez, après 10 bornes, ça commence à être dur de suivre les deux zigotos devant. Ça pique. Tire à Vito. Merci. Allez. Coca, verre d'eau sur la tête, et on repart à l'assaut des 8 derniers kilomètres. Du coup, j'ai perdu mon groupe, c'est pas très grave. Merci. Allez, 11 bornes, ça devient difficile, en plus je suis tout seul. Mon petit groupe est loin, est devant, à ouais, 25-30 mètres, ça va être compliqué de les récupérer. On va essayer. On va essayer. Superbe course. Merci.
un petit single très sympa. Non, les pas de Quentin, impeccable. Le parcours de VTT. Allez, reste 4 bornes. On rejoint les gens qui font les 9 km. Allez, on repart du dernier ravito. Il reste moins de 4 km. Allez, vamos. Récupère les coureurs du 9. Allez, on repasse dans le château de Rouillac. Appellation Pessac-Léognan. Très cool. Mais on n'a pas vraiment le temps de visiter. Il reste à peine 100 mètres. C'est cool. C'est fini. Bravo Anne, félicitations. 494, c'est Sandrine, bravo Sandrine. 447, c'est Geoffrey, bravo Geoffrey. Alors le Mozart 91, c'est d'annoncer un maximum de personnes. C'est l'arrivée de Jérémy Fiollet. Bravo Jérémy. Alors une autre mine. Et ben voilà, le trail de Lobourde, c'est fini. C'était humide. On a traversé pas mal de fois Lobourde, du coup, ce petit ruisseau, ce petit fleuve, ce petit ruisseau, on va se calmer. Une 24-15, je crois. 4,40 km, ma foi. Après une semaine d'entraînement normale en termes de course à pied, parce qu'il y avait footing mardi, seuil. Jeudi, semaine normale. Semaine normale au CrossFit. Lundi, mercredi, vendredi, avec grosse charge sur le deadlift vendredi midi. Une petite douleur au dos, mais rien de grave. Les Five Fingers. Les V-Trail, une dinguerie. Et franchement, sur cette course-là, on s'est pris des petits relais avec le pensionnaire de Pessac. Après on a repris Quentin, on a repris des petits relais ensemble. Bon, j'ai pas pu suivre, hein. j'ai coincé au 12-13e, mais j'ai pas fini très très loin d'eux, mais pas le jus pour continuer avec eux. C'était quand même très 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 cool. On se retrouve dans 2 semaines pour le trail de l'avenir à Moulon. Portez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao ciao.